Je suis Clotilde Palayé. J'ai créé l'Aromathèque en 2008. L'Aromathèque, c'est petit, mais c'est une véritable caverne au trésor. Pour tous vos besoins du quotidien, qu'ils soient santé, hein, bien sûr, mais aussi l'hygiène, la beauté, mais aussi la maison. Je pense aux diffuseurs ou à des produits anti-acariens. On propose plus de 120 huiles essentielles, mais aussi des gammes d'élixirs floraux, de phytothérapie, des extraits de plantes fraîches par exemple, la gémothérapie, les tisanes, donc les plantes sèches en vrac, les huiles végétales, les hydrolats, l'hygiène bio, la cosmétique et le maquillage bio. On a une présélection des produits, ça c'est très important, qu'elles soient qualitatives, techniques, efficacité, et on a une recherche constante de travailler avec des producteurs ou des laboratoires, des entreprises familiales qui ont les mêmes valeurs que nous. Vous serez toujours reçus par des personnes qui sont des professionnels de la santé et nous continuons à nous former constamment pour rester toujours expertes, pointues et élargir nos compétences pour toujours conseiller au mieux. En plus du conseil, vous pouvez aussi nous demander rendez-vous à chacune d'entre nous en fonction de nos spécialités, que ce soit pour un conseil micronutritionnel, un bilan en iridologie, en naturopathie, une séance en réflexologie, en fait en fonction des profils de chacune. L'Aromathèque, c'est aussi un lieu de transmission des savoirs. Nous vous proposons donc des formations en aromathérapie, des cours sur ce que nous avons appelé les piliers de la santé. Ce sont des cours qui sont accessibles à tout le monde et le but est que vous ayez donc des bases rigoureuses et pratiques pour vos usages quotidiens. En somme, l'objectif de l'Aromathèque, c'est de développer l'autonomie de chaque personne qui est en quête d'harmonie entre le corps et l'esprit dans une vision holistique de l'individu grâce à une large sélection de produits naturels et efficaces accompagnés par nos conseils d'experts et dans le respect d'une démarche responsable.